Hello mes petites dudes, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué un petit peu. Cette vidéo aujourd'hui, ça parlera de ma routine capillaire. Si j'ai bien compris, vous savez pas quoi utiliser, vous savez pas comment utiliser. Et si je peux vous aider, si je peux répondre à quelques questions, bah ça me fait plaisir. Alors je remonte mes manches parce que j'ai ramené pléthore de produits, que ce soit les shampoings, les masques, les sérums, les crèmes, les sprays, les brosses, etc. Il y en a pour tous les goûts. Alors, d'abord, il faut savoir parler de son propre cheveu, parce que moi, je suis pas née avec des cheveux lisses, doux, soyeux, etc. On est toutes différentes. Moi, je suis née avec des cheveux très frisés, les moutons et le soleil. Voilà, des cheveux très frisés et secs. Donc toute ma vie, j'ai essayé de les hydrater, les dompter, les rendre plus brillants et plus doux. Donc c'est pour ça que j'ai testé plein de choses. Pour celles qui sont comme moi, qui ont besoin d'hydratation, de dompter les cheveux, comme on appelle chez nous les cheveux harash, qui ont besoin de conseils, ben, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Ah oui, au fait, vous avez remarqué, je viens d'enlever mes extensions et je suis triste. Je suis malheureuse. Je fais une petite pause parce que j'ai envie. Ça fait du bien de faire des pauses. Les extensions, c'est beau, mais faire des pauses, ça fait du bien. J'ai les cheveux très frisés et donc je voulais vous dire que je fais des lissages. Quand j'avais mes extensions, j'ai fait un lissage tanin sur moi-même. Je l'ai fait à la va-vite, je l'ai fait un peu à l'arrache. Donc du coup, ça a pris moyennement. C'était pas terrible. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a pas longtemps, je suis partie en vacances. Et je me suis dit, j'ai pas envie que mes cheveux y gonflent là-bas. Donc je vais lisser, mais je vais lisser que le haut, que la partie immergée de l'iceberg. Du coup, cette partie-là, elle a reçu environ 2 lissages. Cette partie est beaucoup plus douce et plus brillante que cette partie-là qui est un peu plus gonflée. Et un peu moins brillante et un peu moins douce. Je sais pas si ça se voit en caméra, mais là c'est un petit peu plus marron que là. C'est un peu plus clair parce que le lissage a tendance à éclaircir un petit peu. Donc on voit bien que là j'ai fait un peu plus de travail dessus. Et ce qui me fait encore plus kiffer le lissage, parce que je vois sur mes propres cheveux deux différences de cheveux. Donc le lissage, il m'a rendu les cheveux beaucoup plus doux qu'avant. J'adore. Je suis très contente. Voilà. C'était juste une petite aparté pour vous montrer que le lissage tanin, bah, si vous en faites un, c'est bien. Et si vous en faites un deuxième, c'est encore mieux. Surtout à une petite différence de durée d'écart. Moi, parler français, non. Si vous faites 2 lissages rapprochés, c'est encore mieux pour les premiers que vous faites. Et après, vous pouvez le faire tous les 4 mois, 6 mois, comme vous avez envie. Mais si vous en faites 2 rapprochés, ça va être magnifique. Voilà, donc c'est parti. Là, on va parler des shampoings. Je sais pas si il y a quelques temps, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo concernant comment laver ses extensions. Je vous avais parlé d'une marque qui s'appelle Marianilla. Et je vous disais que je venais d'acheter cette marque et que j'allais tester. Et ben voilà, le shampoing, il est vide. J'ai bien aimé, ça rend les cheveux doux, c'est pas agressif. Dès que vous avez un cheveu qui commence à devenir un peu plus rêche, c'est que le shampoing est trop fort, il est trop corrosif. Donc vaut mieux changer. Je l'ai trouvé super et le masque qui est avec. Donc pareil, il est quasiment fini. Il est quasiment fini. Et donc, si vous vous souvenez de la vidéo, elle date de quelques mois. Et je venais de vous dire que je venais juste d'acheter. Donc en fait, c'est quand même rentable. Hein. Il me semble que je l'avais acheté fin d'année. Donc ça fait peut-être 6 mois que je l'ai. À vérifier avec la vidéo dont j'ai posté il y a quelques mois. Ça va, ça c'est peut-être 20 €, entre 10 et 20 € il me semble, et ça pareil, entre 10 et 20 ou 20 et 30. Quoi d'autre que j'aime beaucoup, je vous en avais parlé aussi, Kun, une de mes marques fétiches, elle se vend au salon. Les shampoings de cette gamme Sopure sont sans sulfate, donc c'est super pour tout ce qui est lissage brésilien ou tanin, tout ce qui est lissage, et même pour tous les cheveux j'ai envie de dire, parce que trop de sulfate égale trop corrosif pour les cheveux. Surtout les cheveux secs. Et en plus, il y a des huiles essentielles. Donc celui-là, c'est pour les cheveux colorés. Donc ici, c'est jasmin. Et il y a toujours un peu de l'huile d'argan dans tous les shampoings. Donc pour hydrater, n'importe quel cheveu a besoin d'hydratation. Je pense que même un cheveu gras, il a besoin d'hydratation. Il est souvent gras en racine et sec aux pointes. Tous les cheveux ont besoin d'hydratation. Moi, j'utilisais la gamme pour cheveux secs. L'huile essentielle, ça agit au cœur du problème.
Voilà, voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est dans en parapharmacie, Phyto. Donc pareil, cheveux secs, donc shampoing hydratation et brillance. C'est un shampoing qui mousse pas beaucoup. Il est très bien, il mousse pas beaucoup. Et moi, ce que je vise toujours, c'est l'hydratation. Les filles, la première chose à privilégier dans vos cheveux, c'est l'hydratation. Évitez de rajouter des produits avec de la kératine, renforçant, nanani, nanana. Après avoir fait un lissage brésilien, parce que ça fait un surplus de kératine et un surplus de kératine égale un cheveu cassant. Je vous renvoie à une vidéo ultérieure dont j'ai parlé et le titre c'était trop de kératine, tue la kératine, un truc comme ça. L'Oréal Professionnel. Donc vous pouvez trouver ce shampoing au salon, dans mon salon ou dans les autres salons de coiffure. Généralement L'Oréal est trouvé un peu partout dans les salons de coiffure et le masque. J'adore cette gamme, pourquoi? Parce qu'elle est super relipidiante. Dès qu'on l'applique, on a les cheveux doux. Mais vraiment, et le masque crème, il démêle en un instant, il rend les cheveux plus hydratés. On a l'impression que c'est quasi immédiat. J'adore. Donc cette gamme aussi, donc ça c'est le shampoing, ça c'est le masque, c'est la gamme jaune de chez L'Oréal. Vous avez une autre alternative, c'est chez Yves Rocher. Yves Rocher, ça coûte 3 euros, 4 euros, je sais plus. Et j'ai bien aimé, en fait, c'était ma soeur qui utilisait ça. Et j'avais pas de shampoing avec moi. J'ai essayé et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé mes cheveux doux et pas agressés. Donc moi, dès que le shampoing n'agresse pas le cheveu, je valide. En sachant que le shampoing, c'est pas la chose la plus efficace dans la routine, mais faut en parler. Aussi, je voulais vous parler de quelque chose. Si vous avez plein de shampoings ou vous n'en avez qu'un, vous vous posez peut-être la question, est-ce que c'est mieux d'utiliser le même shampoing tout le temps pour justement laisser le temps aux shampoings d'agir et aux actifs d'agir, ou est-ce que c'est mieux de varier tout le temps pour apporter d'autres actions, d'autres nutriments aux cheveux? Ben, j'ai envie de dire que oui et non, les deux c'est vrai. Il faut quand même laisser le temps au produit d'agir. Si vous achetez un shampoing, vous changez toutes les semaines. Comment vous pouvez voir s'il y a de l'efficacité? Et si vous le faites tout le temps, peut-être que votre cheveu va s'habituer, il va plus réagir. Et donc pour ça, j'ai une petite solution. Donc c'est cette chose là. Comme quoi je l'ai utilisée. Hein. Cette chose, c'est chez Phyto. Ça s'appelle Phyto Neutre et c'est un shampoing détoxifiant. C'est plus ou moins ce qu'on peut appeler un shampoing clarifiant. Alors, pourquoi faire des shampoings clarifiants de temps en temps? Alors attention, j'ai bien dit de temps en temps, parce que c'est un shampoing qui va ouvrir les écailles, qui va les ouvrir beaucoup. Quand vous faites vos lissages, ne le faites pas dès le départ, sinon votre lissage il va partir un peu plus vite. Par contre, vous pouvez le faire vers la fin. Quand vous voyez que vos cheveux, à chaque fois que vous mettez du masque, du soin, ils réagissent plus trop, c'est plus aussi bien qu'au début, faites un shampoing détoxifiant, un shampoing clarifiant pour justement libérer le cheveu de toutes ces crèmes, de toutes ces impuretés, de tout ce qui colle dessus, parce que des soins c'est bien, mais au bout d'un moment c'est trop aggloméré. On enlève tout, on purifie le cheveu et quand vous allez mettre du soin, le cheveu va bien l'absorber. Donc c'est bien à faire de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que tout le temps égale trop vers les écailles, égale trop pas bien. D'accord? Donc je vous suggère ce shampoing qui est pas mal chez Phyto. Ça doit être une dizaine d'euros, je sais plus. Concernant les masques, je vous en ai déjà parlé de deux déjà, donc L'Oréal et Marianila. Donc juste avant de continuer, je voulais juste vous dire que s'il vous plaît les filles, quand vous faites un shampoing, faites un masque après, c'est obligatoire. Je ne vais pas dire que c'est facultatif maintenant, je vais dire que c'est obligatoire. Comment vous faites? Vous ouvrez vos cheveux, vous ouvrez les écailles, vos cheveux sont limite rêches et vous fermez pas. C'est facile, un masque, ça prend une minute. Le minimum, c'est une minute. Vous mettez, ne serait-ce que vous faites ça pour démêler vos cheveux, ça prend quelques secondes. C'est le minimum. Vraiment, j'insiste, c'est pas facultatif. Quand vous faites un shampoing, faites un masque. Après, j'ai des filles qui viennent au salon et qui disent « Oh, j'ai les cheveux secs, électriques, je sais pas quoi faire. » Ah oui, tu utilises quoi comme masque? Ben, j'utilise pas de masque, j'ai pas le temps, je fais du shampoing, que je mets un shampoing, c'est tout. Ah d'accord, ok. Bon ben, commence par ça et après tu vas voir les résultats. C'est super important. Donc, je vous ai parlé de ces deux-là que j'aime beaucoup. Et l'un de mes chouchous, d'ailleurs, qui est la boîte est vide, j'en ai plus.
C'est le masque Kenzo Pure Moisturizing Treatment for Dry Hair. Voilà, je l'adore. Et pourquoi je l'adore? Parce qu'il m'a sauvé bien des fois des vies. Oui, parce que j'ai plusieurs vies en fait. Il m'a sauvé des vies. Il m'a sauvé la vie à bien des fois. Voilà, donc par exemple, j'étais partie en Algérie en vacances avec... Dès que vous sortez de l'avion, quand vous allez en Algérie, vous avez vos cheveux et vous font ça. Attendez, je pose. Dès que vous sortez de l'avion, vos cheveux font ça. Alors, ils gonflent et en plus, ils deviennent durs et rêches et secs. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est l'air ambiant. Et j'avais pas fait de lissage juste avant et j'étais bien embêtée. Et j'avais pris mon shampoing Kun et le masque qui va avec et ça m'a sauvé la vie. Mes cheveux, à chaque fois que je le faisais, ça va et redevenait plus hydraté, moins gonflant. Et il a un pouvoir d'hydratation énorme, je l'adore. Donc celui-là, vous trouvez chez quelques coiffeurs, c'est pas partout. Vous ne le trouvez pas chez les grossistes parce que c'est une marque exclusive pour les salons de coiffure. Voilà, en tout cas je peux vous dire qu'il est super efficace. Là c'est pas vraiment un masque, c'est les ampoules de chez L'Oréal Power Repair Lipidium. C'est des petites ampoules super actives qu'on vaporise à l'aide d'un spray. C'est après le shampoing, moi ce que je fais parce que je suis trop gourmande, je le vaporise après le shampoing, donc sur longueur et pointe, sur cheveux humides. Je laisse agir au moins 10 minutes, 15 minutes et après je rajoute du masque par dessus. Oui, je suis gourmande, oui, je fais les deux. Donc, quand vous avez fait votre shampoing, votre masque, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, c'est tout, vous rincez. Je voulais vous parler d'un produit de rinçage dont je ne suis pas trop fan, que j'ai testé. C'est chez Yves Rocher, l'eau de rinçage, vinaigre de brillance, tout ça, machin. Moi, je suis pas fan. C'est genre des gouttes que vous devez, je vais pas dire saupoudrer, mais presque, vous devez égoutter sur vos cheveux. Vous faites ça à l'eau de rinçage. Moi j'aime pas, c'est un peu compliqué, contraignant. Par contre ça sent super bon, ça sent la framboise. Bon, moi j'aime pas tout ce qui est trop fruité, trop sucré, donc non, je valide pas. Si vous aimez, mettez-le en commentaire si vous avez beaucoup aimé ce produit. Si vous aimez pas, mettez-le moi aussi pour voir si je suis la seule à pas trop aimer ce genre de choses. Moi ce que je veux c'est hydrater. La brillance elle vient avec l'hydratation, elle vient avec un beau cheveu. C'est pas avec des petits vinaigres. Quand votre cheveu est sain, voilà, le masque aussi resserre les écailles. J'ai envie de vous poser une question entre temps. Vous lavez vos cheveux avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou de l'eau froide? Lavez vos cheveux avec de l'eau chaude, voire très chaude, ébouillantée. Non, je rigole, exagérons pas. Lavez vos cheveux avec de l'eau chaude, c'est super important. Excusez-moi, quand vous faites la vaisselle, vous faites avec de l'eau froide? Vous pensez que ça lave bien? Non, ça reste gras, ça reste sale. C'est pareil pour les cheveux, bien sûr, vous n'allez pas mettre de l'eau bouillante. Hein, vous n'êtes pas des poules qu'on veut déplumer. Hein. Mettez de l'eau bien chaude pour que votre cuir chevelu déjà il soit un peu plus chaud et donc la circulation sanguine sera activée. Donc quand vous faites ce geste de lavage, ça fait un geste de massage aussi. Circulation sanguine, vous avez compris le fonctionnement. On stimule la pousse des cheveux, on stimule les beaux cheveux. Donc de l'eau chaude, de deux, ça permet d'enlever plus vite le gras. Hein, si vous enlevez plus facilement le gras, bah vous avez encore moins besoin d'utiliser du shampoing. De deux, quand vous faites avec le masque, ça fait pénétrer encore plus l'actif avec l'eau chaude. La chaleur est un catalyseur. La chaleur additionne un peu plus d'action pour vos produits, pour les actifs. Donc va faire pénétrer le masque encore mieux. Voilà. Si vous avez le courage, si vous voulez de temps en temps, c'est encore mieux. Quand vous mettez votre masque, vous pouvez mettre un film plastique autour. Donc vous laissez l'humidité, le masque, une bonne quantité avec l'eau chaude que vous aviez mis préalablement. Comme ça, vous avez encore plus d'efficacité. Mais attention, on ne met pas une serviette seule. Si vous mettez la serviette seule, ça va absorber le produit. Ça sert à rien, c'est dommage. Vous avez bien rincé, vous essuyez vos cheveux avec une serviette. Vous laissez un peu d'humidité. J'aime bien appliquer les produits sur cheveux mouillés. Pourquoi? Parce que l'eau va aider à faire pénétrer votre crème à l'intérieur, va aider à hydrater vos cheveux. La crème que vous allez mettre sur vos cheveux humides va faire en sorte que l'eau
va rester un peu dans le cheveu. Donc un cheveu humide, un cheveu gorgé d'eau, c'est un cheveu plus beau. D'accord ? J'ai préparé aussi plein de sérums et plein de crèmes. Et mon bébé, mon chouchou, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'en parle souvent au salon, c'est ma petite bébé crème. Donc c'est la marque générique. Générique, L'Oréal, Kérastase, moi je m'en fous de la marque tant que c'est efficace. Une crème, je ne sais pas si vous la voyez, qui est ni trop épaisse ni trop fluide. D'accord? Donc c'est bon pour les cheveux secs et pour les filles qui ont les cheveux gras. Ça n'alourdit pas le cheveu, mais ça va l'hydrater, ça va l'adoucir, ça va démêler votre cheveu sans l'alourdir. Apparemment ça protège aussi de la chaleur du cheveu. Donc ça je peux pas le vérifier, hein, mais si ça peut protéger de la chaleur du cheveu, moi je suis preneuse. Voilà, donc quand vous avez vos cheveux humides, vous avez votre spray, moi j'en abuse, j'en use et j'en abuse. Je spray toutes mes cheveux, j'en mets sur les longueurs et pointes. Si vous avez les cheveux particulièrement secs, vous pouvez aussi également en mettre un petit peu en racine, c'est pas trop gras. Voilà, j'adore ce produit, je ne sais plus m'en passer, je sais que les clientes qui l'ont utilisé l'ont adopté aussitôt. Dans la gamme L'Oréal dont je vous ai parlé tout à l'heure, pareil, juste avant le brushing, une crème relipidiante, c'est un peu comme la bébé crème. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé. Moi, j'utilise toujours des produits hydratants, voire relipidiants. J'évite le maximum des produits avec de la kératine, avec des surplus de kératine. Quand j'ai mis une crème, moi, ce que j'aime bien après, c'est rajouter un peu plus de gras aux pointes, parce que c'est toujours la partie la plus fragile, et donc le qui dit gras dit sérum. Ma best de chez ma best, Moroccan Oil. On achète souvent, j'aime beaucoup cette marque. Il coûte environ entre 50 et 60 euros le sérum. Comment expliquer que j'ai senti que ça agissait vraiment? C'est que vous savez quand vous passez vos doigts et que ça accroche. Et quand vous mettez un bon sérum, logiquement ça doit passer, c'est plus fluide. Vous voyez? Comme ça. Quand vous voyez que ça accroche trop, c'est que ça manque d'hydratation. Celui-là, il est ni trop fluide ni trop épais. Si vous pouvez voir la texture et l'odeur. Mamma mia! J'adore l'odeur, c'est pas trop fruité, pas trop sucré, j'adore, c'est très classe. C'est pas donné, mais je l'aime beaucoup et on peut dire que ce genre de sérum, combien de temps je le garde moi? Peut-être ça fait 6, 7 ou 8 mois que je l'ai. J'utilise au moins 2 ou 3 pompes, j'utilise une fois par semaine, voire 2 à 3 fois quand je mets des fois des petites gouttes de retouche dans la semaine. Mais souvent quand je mets des retouches, je mets un sérum un peu moins cher, bah oui je suis pas bête hein. Non mais attends, j'avais aussi acheté celui-là, comme vous voyez il est presque rempli, je l'utilise pas beaucoup, je l'aime un peu moins, je sais pas si je l'aime un peu moins ou si c'est parce que j'aime beaucoup utiliser l'autre, ce petit frisotti, etc, etc, bon pour moi ça reste une huile, un sérum, c'est à mon avis double emploi avec celui-là. Si vous voulez prendre un produit chez Moroccan Oil, je vous conseille celui-là, il est top. Celui-là c'est à environ 15 euros, donc chez les coiffeurs. Donc toujours dans la même gamme chez L'Oréal, j'aime beaucoup la gamme, j'aime le shampoing, j'aime le masque, j'aime la crème, j'aime le sérum aussi. Le sérum, il est magnifique, il est fluide, il est léger, mais en même temps, un petit peu comme le Moroccan Oil, on le sent agir. Il rend les cheveux presque immédiatement très doux. Je ne vais pas parler mille ans sur un sérum, c'est un peu compliqué de vous expliquer avec des mots ce que ça fait, mais je peux vous dire que je l'adore. Un autre sérum, alors ça je ne sais même pas où je l'ai eu, apparemment ça se vend chez Sephora, c'est la marque Bubble and Bubble, Invisible Oil, et c'est vraiment le nom que ça a, c'est une huile très fluide, je ne sais pas si vous voyez, on dirait limite comme de l'eau, c'est entre de l'huile et de l'eau. Mais ça reste quand même de l'huile, hein. C'est quand même un sérum. Vous l'appliquez, mais quelle sensation, c'est très doux. Alors je l'avais trouvé dans un tiroir, un de mes tiroirs au travail. Et je me suis dit, mais où j'ai acheté ça? Ça doit être un truc pas cher, j'ai dû acheter ça à Lidl ou au Primark ou je ne sais où. Je commence à en prendre plein, j'en mets sur moi, j'en mets sur mes clientes, j'en mets sur les extensions. Je me dis, bon c'est pas cher, c'est pas grave, j'en mets une tonne. Et je dis, mais j'aime bien ce sérum, il est génial, il rend les cheveux doux et c'est léger, c'est pas gras. J'adore. Je me renseigne sur internet, 40 euros le truc. 40 euros chez Sephora. Donc moi j'étais en train de gaspiller alors que c'est une petite merveille. Et donc ça me fait un peu mal de remettre 40 euros pour le sérum, donc maintenant je l'économise, je fais un peu la radine.
Pardon, j'en bavure. J'en bavure tellement il est bien. Celui-là, je valide. Je ne connais pas les autres produits de la gamme, mais je vais peut-être m'y intéresser. J'aime bien parce qu'il est plus léger, plus fin. Donc si vous avez les cheveux un peu plus gras et pas trop secs aux pointes, celui-là, il peut être bien. Si vous avez les cheveux très secs, je vous conseillerais quand même le Moroccan Oil ou le L'Oréal. Alors, j'avais aussi acheté le sérum chez Marianilla. Comme vous voyez, je l'ai très peu utilisé puisque toujours la même problématique. J'adore mon Moroccan Oil, donc j'ai du mal à changer. Par contre, en semaine, quand je veux faire des retouches sur mes pointes, je l'utilise. Comme il est un peu moins cher, voilà quoi. Je sais plus combien je l'ai payé, peut-être en dessous de 10 euros, peut-être entre 10 et 20, mais pas plus. Ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est son odeur. Ah, j'adore. C'est acidulé, c'est pas écœurant, parce que c'est important quand même l'odeur. Et quand je fais des retouches, j'en mets seulement sur les pointes. Quand les pointes commencent à faire au bout de quelques jours, parce que oui, au bout de quelques jours, les cheveux commencent à avoir soif et commencent à réclamer de l'hydratation. Chez Yves Rocher, c'est un spray, c'est juste de l'huile de monoï. Et c'est ma petite astuce de temps en temps quand vous avez les cheveux très secs ou alors vous voulez rajouter un extra de gras et de brillance. Alors attention, ne pas en utiliser trop parce qu'il est très gras. Donc c'est de l'huile de monoï en huile sèche. Donc ce que je faisais, surtout quand j'ai des extensions, de loin, j'ai dit de loin, je vaporisais un spray comme ça. Donc je vais essayer de le faire devant la caméra. Vous voyez, c'est volatile et je mettais un petit peu sur mes cheveux. J'espère que ça ne va pas les graisser là. Et ça les rendait super brillants, super doux et une superbe odeur de monoï. Voilà, c'est vraiment très très vite fait. J'en mets pas beaucoup parce que ça graisse vite et surtout pas en racine. Voilà, ça doit coûter, je pense, un peu moins de 10 euros parce que chez Yves Rocher, vous avez toujours des 50%. J'ai pas ramené les produits de grande surface parce que j'utilise pas trop les produits de grande surface. Mais vous avez de très bons sérums. Tant que vous faites un bon shampoing, un bon masque nourrissant ou hydratant et un bon petit sérum, voire plus une crème et un sérum, c'est bien, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre très cher. Tant que vous faites un petit peu, c'est déjà très important. Shampoing, masque, si possible crème, une petite crème hydratante, parce que dès que c'est hydratant, c'est plutôt aqueux, ça a plus tendance à pénétrer. Le sérum que vous allez mettre par-dessus, il va plutôt rester en surface, il va faire comme un manteau sur vos cheveux, il va faire comme une protection externe. L'hydratation des crèmes est très importante, c'est pour ça que j'aime bien allier les deux. Ce qui est très important que j'avais acheté chez Moroccan Oil, elle est encore presque remplie, je l'utilise pas bien, et d'ailleurs, je l'utilise pas beaucoup et pas souvent et c'est pas bien parce que c'est très important, c'est une protection contre la chaleur, donc du lisseur et du brushing. Donc c'est un spray que l'on vaporise avant le brushing, mais j'ai l'impression qu'il est un peu collant en fait. Quand je l'applique, j'ai les cheveux qui collent un petit peu. Par contre, quand je fais le brushing, ça disparaît un petit peu. Si ça peut protéger des dégâts du lisseur et du brushing, c'est important. Voilà, autre chose, les shampoings secs. N'hésitez pas à utiliser les shampoings secs. Je vous ai ramené cette marque aussi que j'avais acheté. Je vais pas vous mentir, je l'ai acheté à Action. Je suis passée devant. Action, j'aime bien ce magasin. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis passée devant, chercher un shampoing sec, j'en avais pas. Je suis tombée dessus, je l'ai acheté. Et j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'il sert à rien. J'ai l'impression que c'est pas trop efficace, que ça dépose pas trop de poudre et donc ça n'enlève pas trop le gras. Vous pouvez utiliser des shampoings secs tous les jours, c'est pas un problème, ça n'assèche pas les cheveux parce que vous l'utilisez en racine là où il y a du gras. Vous l'utilisez que quand il y a du gras, on est d'accord. Ou alors vous pouvez éventuellement l'utiliser pour celles qui ont les cheveux un peu raplapla. Vous en mettez un petit peu de temps en temps, ça peut permettre de faire gonfler un peu la racine. C'est une petite astuce. Mais vous n'hésitez pas à utiliser du shampoing sec et dans le gras, parce que je connais des filles qui utilisent du shampoing sec en racine et dans les pointes, non. Vos pointes ont soif, vos pointes sont sèches, vous n'avez pas besoin de mettre des produits qui vont absorber le peu de gras, ok? Voilà, je vais vous parler aussi d'encore autre chose qui n'a rien à voir avec les produits, c'est des brosses. Alors, mon petit kiff, c'est cette brosse de chez The Body Shop. J'adore cette brosse. J'avais acheté avec 40% de réduction à l'époque. Elle coûtait 30 euros. C'est pas donné pour une brosse, mais depuis, elle s'est jamais abîmée. Le truc, il est jamais sorti. Vous voyez, il y a un truc qui m'énerve dans les brosses, moi qui en utilise beaucoup, c'est quand ça sort. Et là, je peux vous dire que j'ai beau tirer. Ah, merde.
Ah bah vous voyez, on peut réussir à l'enlever, mais en tout cas c'est très solide. Vous m'avez porté la poisse. C'est jamais sorti depuis que je l'ai acheté, là c'est parce que j'ai tiré fort. Contrairement à cette marque que je vais vous citer, cette marque là, si ça vous dit quelque chose, GHD. Elle est sale, je l'avais laissé traîner dans un coin. Alors voici ce qui me reste. GHD, comment ça se passe? 30€ la brosse, je retrouve même plus le pneumatique là. Bah oui, passer son temps à sortir. Y a rien de plus chiant que tu te brosses et le truc qui reste coincé dans tes cheveux. Non mais attends, GHD, ça se passe comment? Là on achète des brosses à 30€, je retrouve même plus le pneumatique tellement il a pas arrêté de sortir. Merci pour vos brosses, sont super, j'adore. Je vous les recommande. Vous achetez une brosse un peu plus chère, mais au moins elles valent le coup. GHD, voilà. It's not a good hair day. J'ai oublié de vous parler d'un petit truc. Pour celles qui ont tendance, enfin pour celles qui ont l'habitude de faire des colorations, des balayages, des éclaircissements. Olaplex. Olaplex, de temps en temps, ça fait du bien pour refortifier les cheveux. Donc Olaplex, vous l'utilisez le jour de votre technique de balayage ou de coloration. C'est très bien pour protéger vos cheveux. Mais c'est bien aussi de l'utiliser avant et après la technique. Avant pour préparer vos cheveux à la technique et après pour l'entretenir, pour éviter la casse. Vous faites beaucoup de choses qui agressent vos cheveux. Olaplex, c'est pour éviter la casse, donc c'est ce qui permet de faire pousser aussi vos cheveux. Parce que la pousse des cheveux, c'est dans le cuir chevelu que ça se passe, mais c'est aussi en évitant de les abîmer. Voilà, c'est tout, j'ai enfin parlé de tout ce que je faisais, à part le dermaroller de temps en temps, et ça je vous renvoie à une autre vidéo. Je vous laisse aller chercher la vidéo parmi les dernières vidéos sur comment faire pousser vos cheveux. C'est bien de le faire de temps en temps, c'est génial pour tout ce qui est stimulation, donc la pousse des cheveux dans la longueur et dans le volume, mais aussi la beauté du cheveu. Si votre cheveu il est mieux irrigué, ben forcément il sera plus beau et plus fort. Ah oui les filles, j'avais oublié de vous parler de quelque chose qui est très important. Donc les produits de coiffage, les produits de soins, c'est très important, mais votre matériel aussi il est important. Donc peut-être vous voulez savoir avec quoi je lisse mes cheveux, quel est l'appareil qui a retenu mon cœur. C'est Coriolis, vous l'avez souvent vu dans mes vidéos. Vous voyez là la petite rainure rouge, là c'est de l'infrarouge. Et l'infrarouge va chauffer votre cheveu au cœur sans le brûler. Et moi, dès qu'il y a quelque chose qui peut éviter de brûler mes cheveux, ben j'accepte et je le prends avec plaisir. Donc c'est mon lisseur préféré pour le moment, jusqu'au prochain qui sera encore mieux peut-être, je sais pas. Si vous avez des suggestions de lisseur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis toujours preneuse. Je fais que ça, acheter des lisseurs, j'aime beaucoup les lisseurs. J'ai connu le Steampod, GHD je n'aime pas, je suis désolée, encore GHD. GHD c'est des lisseurs, on peut pas choisir la température. Donc en fait c'est le lisseur qui va me dire à moi, c'est lui qui va me dire à moi quelle température. Excuse me, s'il te plaît, c'est qui décide? C'est lui ou c'est moi? C'est moi qui décide. Si j'ai envie de faire doucement, je fais doucement. Si j'ai envie de mettre un peu plus chaud et passer très rapidement le lisseur, c'est moi qui décide. Je ne suis pas fan de ces soi-disant lisseurs qui décident à ma place la température. Peut-être qu'il y aura un nouveau lisseur chez GHD dans pas longtemps et que je vais aimer, mais pour l'instant, je ne suis pas fan. En plus de ça, les plaques là sont super glissantes, j'adore, c'est important. Vous savez, il y a des plaques où vous faites... Quand ça fait ça, c'est que c'est un petit peu nul et que c'est pas bon. Et ça glisse tout seul, les cheveux sont doux et brillants juste après. Bon, vous allez me dire, c'est un lisseur, c'est normal. Ah non, c'est pas normal, pas toujours. Il y a des lisseurs, ça va pas du tout. Les cheveux tout cassés et tout sec aux pointes, avec les pointes blanches là. Vous savez, quand ça devient blanc, c'est que c'est bien, bien brûlé. Le lisseur, c'est important quand on a les cheveux très frisés, qu'on peut pas s'en passer. Je suis d'accord avec vous, je suis la première à l'utiliser. Mais il ne faut pas en abuser et surtout, il faut en utiliser un bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris un minimum. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur certaines choses. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben ciao ciao. Non, je rigole.
Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je vous souhaite d'avoir de très beaux cheveux, une bonne santé. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos parce que je ne publie pas trop souvent. Je publie un petit peu aléatoirement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour les prochaines vidéos et à mettre un petit like parce que ça fait plaisir. À bientôt les beauties.